C'est seulement quand le Seigneur permet l'émergence que tu te rappelles que tu es le deuxième Salomon. Que tu te rappelles que voilà, Salomon a existé, il avait beaucoup de femmes. Toi aussi, tu peux prendre. Dans la vallée, est-ce que toi, tu pensais même à une femme? Est-ce qu'une femme pouvait même te regarder d'abord? Ne fais pas semblant, donne-moi un amen. Tu as oublié, hein? Frère, tu as oublié? Le type de pantalon que tu mettais, tu as oublié? Toi-même, tu regardes le pantalon, tu te poses la question, c'est mon pantalon ou c'est pas mon pantalon? Mais quand Dieu commence à te faire un peu de bien, tu rentres à la maison à 23h. Parce que ta secrétaire est devenue ta deuxième. La serveuse, là où tu vas au restaurant, est devenue la troisième. Rappelle-toi, mon frère, dans la vallée, personne ne te regardait à part ta femme. Répète ça. Des fois, mon frère, il faut apprendre un peu à regarder vers l'arrière. Parce que Dieu t'a amené juste un peu de promotion. Dieu a permis l'émergence. Non, c'est fini, ta foi n'est pas solide. Tu dis, n'est-ce pas que c'est dans la Bible? N'est-ce pas que Salomon? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a fait beaucoup de femmes. Toi, tu es roi. Tu es le roi de votre village. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Quand tu dis, moi, c'est biblique. Tout ce qui est biblique n'est pas divin. Tout ce qui est biblique n'est pas divin. Le meurtre de David, David tue Uri, c'est biblique, mais ce n'est pas divin. Qui t'a dit que tout ce qui est écrit est divin? Dans ce qui est écrit, il y a le divin et il y a aussi les enseignements. Parce que le meurtre de David est biblique, toi tu veux aussi aller tuer quelqu'un? La polygamie de ces hommes, c'est biblique, mais est-ce c'est divin? Si c'était divin, en Genèse, Adam aurait vu deux femmes. Donne-moi un amen là derrière. Il n'y avait pas deux femmes. Viens s'il te plaît mon frère. Il n'y avait pas deux femmes en Genèse. Il y avait une seule. La Bible dit la femme vient d'où? De la côte. Tenez votre côte s'il vous plaît. Aidez-nous. Vous en avez combien? Non, je veux attendre d'abord. Essayez seulement, essayez. Même si on ne peut pas tout compter, mais vous, je suis sûr que vous arrivez quand même à toucher. Combien de côtes vous avez? Au toucher seulement. On n'est pas ici pour répondre comme des médecins. On veut seulement savoir, au toucher, il y a combien de côtes? Combien? Il dit 6. Je croyais que tu avais une seule côte. Non, tu n'as pas une seule côte. Bon. Que l'assemblée maintenant nous aide. Il y a combien de côtes? À gauche? À gauche? À droite? Ça fait combien de côtes? Dieu a utilisé combien? Pourquoi il n'a pas utilisé les autres? Il n'y avait pas de déficit en côtes. Dieu n'a pas pris un seul seulement parce qu'il n'y avait qu'une seule côte. Non. Il a pris une côte. Il a laissé les autres. S'il voulait faire une deuxième, il allait prendre une deuxième côte. Une troisième côte. Une quatrième côte. Mon frère, sors de la polygamie. Sors de l'impudicité. Sors de l'impudicité. Sors de l'adultère. Sors de l'adultère. Jésus, sors de l'adultère. Pourquoi?
Tu veux justifier le mal parce que Dieu t'a donné un peu de faveur. Ta foi est tellement instable. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a permis l'émergence. Dans la vallée, tu priais, tu pleurais. Jésus t'a sorti, tu as oublié. Merci. C'est seulement dans cette élévation, dans cette émergence, que toi tu maintenant tu regardes ta femme et puis tu dis ce n'est pas la femme du ministère. Moi Dieu m'amène dans l'élévation. Partout on m'appelle bishop. Ça ce n'est pas la femme de, du ministère. La femme du ministère d'abord, elle est comment? Moi, je n'ai pas la réponse aussi à cette question-là. Elle est comment? Mais vous voyez, quand les gens veulent justifier le mal parce qu'ils commencent à monter, tu regardes ta femme, tu dis, non, moi je vais changer. Je vais prendre la choriste là. Celle que je vois à l'église. Quand elle chante, elle lève la main. Oui, le mariage n'est pas une affaire de larmes dans les cultes. Le mariage est une affaire de caractère. Je dis à quelqu'un, la femme de la vallée, l'homme de la vallée, reste avec. Dans l'émergence, reste avec. Si tu constates que ton, ta femme a des lacunes, envoie ta femme à l'école. Tu constates que ton mari a quelques lacunes, envoie ton mari à l'université. De toutes les manières, une vie qui arrête d'apprendre est une vie qui commence à se mourir. Toute ta vie, même si tu as un master, un doctorat, continue d'apprendre. Attention, que ta foi soit ferme. Salakeba ya yoko ndimeba.